Ça va finir un jour, c'est obligé, faut que ça cesse. Et tenons le coup, soyons juste éveillés et faisons ce qu'il faut pour accompagner la réussite de l'acquisition de cette paix qui nous revient de droit. En fait, tu as déjà nakati ya mboka, tu as déjà bana ya mboka, tout le monde déjà passé mine. Un jour mambo nyo sur ici là. Et tant que ici là, tu es au bien, tu es à l'aise et on sera heureux. Mais il faut juste garder la foi. Et les messages d'espoir que j'ai, c'est que cette guerre prendra fin un jour. C'est ça le message de pouvoir que j'ai. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier de base. Je suis quelqu'un qui prône l'amour et qui prône la paix. Donc je préfère enseigner avec mes gestes que de faire payer les actes de certains par peut-être par ignorance. Peut-être qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Peut-être que ce n'était vraiment pas de leur faute. Je ne peux pas accuser les gens comme ça. Et je ne pense pas que je suis là pour ça. Déjà, bonsoir tout le monde. Ben, je suis désolé du retard, c'est indépendamment de notre volonté. On ne voulait pas venir en retard, mais il fallait suivre une procédure, il fallait passer au gouvernorat, il fallait faire le. Je devais visiter la ville vu que ça fait longtemps, ça fait 3 ans. Et je devais revoir un peu bah, côté Nini Komibia, place Niasike Baksami. Il fallait que je fasse un tour pour voir un peu la ville et c'était important de retrouver mes frères et sœurs Gomatraciens. Et après Carnaval, nous sommes directement venus vous retrouver. Je pense que je ne suis même pas reposé, mais ça me tenait à cœur de venir vous parler. Parce que, comme vous le savez, je viens ici pour un concert, pour un double concert qui a comme message la paix et le soutien aux familles touchées par tous ces désastres qui nous touchent aujourd'hui dans notre pays. Et surtout aussi apporter mon soutien à tous ces enfants qui pleurent, essayer d'essuyer les larmes, même si je ne pourrais pas vraiment les essuyer les larmes totalement, mais essayer d'apporter quand même quelque chose, un petit sourire. Et à travers mon art, à travers mon talent, j'allais venir ici faire mon concert. Quand je dis venir ici, c'est chez moi à la maison. Revenir chez moi faire un concert pour faire plaisir à ma famille. Et c'est ce qui va être fait. Donc voilà. Ça n'a jamais été mon souhait d'arriver tard dans les prestations ou dans les rendez-vous. Mais très souvent, avec les réalités que nous rencontrons, avec les organisations et tout ce qui se passe, vous savez que on n'est pas tenu à l'écart de l'imprévu. Tout peut arriver et très souvent, s'il n'y a pas respect de l'heure, c'est plus souvent parce qu'il y a des contraintes qui sont indépendamment de notre volonté, qui ne sont pas préméditées, mais qui nous arrivent et on essaye de faire de notre mieux pour arriver à temps. Parfois, je peux être prêt, mais la scène n'est pas prête. Et le retard ne sera pas mis sur ma tête parce que c'est un tout. Ce n'est pas que moi, ce n'est pas que la scène, c'est un tout. Parce que s'il te faut un bon spectacle, il faut que tout se fasse bien. Si je fais les choses avec précipitation, je pense que ça ne se passera pas comme prévu. Et je ne pourrai pas vraiment donner de la joie ou le résultat que j'aurais voulu. Alors des fois, c'est en attente que les étoiles s'alignent pour qu'on arrive sur scène. Et ça fait qu'il y ait des petits décalages. Moi, personnellement, je suis toujours là. Je suis toujours prêt. Je suis toujours à temps à mes rendez-vous. Pour les spectacles, je pense que ça va très bien se passer parce qu'on va faire ce qu'il faut pour que l'organisation soit prête à temps et que mon heure de monter sur scène soit respectée, que je le fasse à temps et que tout le monde soit content. Voilà. Donc pour le retard, c'est un peu ça. Et la troisième question, c'est sur le De souvenir bons que. souvenirs et quelle relation vous gardez avec Goma et En fait, déjà, les souvenirs que j'ai de Goma, c'est des très beaux souvenirs parce que je me rappelle, c'était au festival à Mani, j'ai fait des très belles rencontres quand je suis arrivé, j'ai eu de nouveaux amis, de nouveaux frères, des petits frères et tout. Ça s'est très très bien passé. Des gens avec qui je parle quasiment tous les jours, j'ai des gens très proches de moi qui sont à Goma et à chaque fois que je pense à Goma, j'ai toujours envie de revenir. Mais malheureusement, quand il faut que je revienne, très souvent il y a des complications, très souvent il y a des contraintes et des fois même aussi des mains noires derrière. Mais cela ne m'empêche pas de toujours aimer Goma et de toujours vouloir revenir. Donc j'ai des très beaux souvenirs de Goma. Et Des artistes urbains, pour juste. Boma et Musique, c'est resté une famille. Aujourd'hui, je ne fais plus partie du label Boma et Musique parce que mon contrat avait pris fin et qu'on a pu s'arranger avec mon ex-label. Et maintenant, c'est plus fraternel, c'est plus familial, c'est plus amical. Mais on a toujours des très bons rapports. Et je crois que s'il faut travailler ensemble, on s'arrange, on trouve les bonnes conditions et on va se mettre d'accord. On n'est pas en froid avec Goma et Musique. On s'appelle très souvent avec le général Philo. Et tous les artistes du label qui sont encore dans le label, on parle toujours très bien. Donc je n'ai aucun problème avec le label Goma et Musique. Tout va très très bien. Les artistes urbains de Goma,
jusqu'où votre collaboration? Bon, les artistes urbains de Goma, c'est aussi mon problème parce que, étant congolais, tout ce qui concerne le Congo me concerne. C'est-à-dire, l'art congolaise, c'est aussi quelque part une responsabilité pour moi de jouer un rôle et de porter ma lumière chez ceux qui ont du talent mais qui n'ont pas encore assez de lumière. Et c'est très probable et très possible que je fasse quelques collabs et quelques travaux, ou même encore, pourquoi pas aider en manageant ou en signant, je ne sais pas, parce que j'ai un label, donc j'ai plusieurs manières d'aider les artistes de Goma. On va trouver la bonne manière qui sera adaptée au talent que je trouverai. Donc voilà. Merci. La cinquième question était la question concernant Elwizia. Je pense que le partenaire Mibeng va éclaircir. Ok. En ce qui concerne la question Elwizia, nous avons eu des petites contraintes par rapport aux réservations des billets d'avion. Mais nous sommes en train de nous battre pour voir si on peut avoir une place demain avant midi. Merci. Je tiens à préciser, Elwizia, c'est un frère. Hein, c'est un ami et un frère pour moi. Donc s'il est là, ça me fera encore plaisir. Et qu'il ne soit pas là, ça m'attriste même un peu. Moi, je suis un musicien de base. De base, je suis un musicien et des conditions à remplir. Si elles sont remplies, pourquoi pas? Je ne suis pas quelqu'un de rancunier de base. Je suis quelqu'un qui prône l'amour et qui prône la paix. Donc je préfère enseigner avec mes gestes que de faire payer les actes de certains par peut-être par ignorance. Peut-être qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Peut-être que ce n'était vraiment pas de leur faute. Je ne peux pas accuser les gens comme ça. Et je ne pense pas que je suis là pour ça. Donc si le festival Amani a besoin de moi et qu'ils remplissent les conditions, pourquoi pas? Parce que de toutes les façons, le festival Amani est organisé pour un peuple. Donc quand je viens pas pour le festival, mais je viens plus pour le peuple. Je le dis très souvent, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas forcément un soldat, mais je suis un Congolais d'abord avant tout. Et ceux qui souffrent sont mes frères et sœurs. Qui souffrent, je recherche le bonheur, recherche la paix, recherche un sourire. Et c'est ce que je compte apporter avec ma prestation. Je ne pourrais pas vous garantir de, par ma voix, faire arrêter la guerre. Peut-être que c'est possible, mais je ne peux pas vous le garantir parce que je n'ai pas la certitude de pouvoir le faire. Mais je sais au moins que je suis capable de faire sourire une personne, de faire oublier un malheur pendant le temps d'un concert, le temps d'une prestation, et faire en sorte que ses cœurs blessés oublient un peu les problèmes et rigolent un peu, trouvent un peu un moment de bonheur, un moment de gaieté en ma présence. Si c'est le seul cadeau que je peux leur porter, je préfère les apporter ça que ne rien leur donner. Voilà. Les messages aux agresseurs, c'est que Bozo solo lamabe, je le dis en lingala, Bozo salamabe, personne n'est d'accord avec. Je suis congolais avant tout, mais je suis aussi un humain. De base, l'être humain n'est pas censé souffrir. L'être humain est censé vivre dans la paix, peu importe sa nationalité, peu importe d'où il vient, peu importe qui il est. Tout être humain a droit à sa liberté, à vaquer à ses occupations à l'aise sans qu'on vienne de lui déranger. La guerre n'a jamais été une bonne chose, pas seulement pour le Congo. Partout dans le monde, la guerre n'a jamais été une bonne chose. Parce que ceux qui souffrent très souvent ne sont pas ceux qui commanditent la guerre. Et moi, le message que je lancerai à tous ceux qui commanditent cette guerre est qu'il est temps que ça cesse parce qu'on en a marre et on n'est pas venu au monde pour qu'eux nous fassent souffrir. Quand je parle de nous, je parle de tous ces frères qui ont perdu des mamans, des papas, des enfants. Je me mets à leur place parce que personnellement, cette guerre m'a aussi touché et d'une manière assez particulière. J'ai perdu deux personnes, mais à cause de la guerre, je n'ai pas pu peut-être assister aux obsèques d'un ami cher parce que la situation n'est pas propice. Et aussi à cause de la guerre, j'ai perdu un autre ami qui peut-être n'était même pas congolais, mais qui a succombé à cette guerre. Et ça me rend encore plus conscient de voir des frères, des amis et des gens de la famille partir comme ça. Donc c'est une guerre qui ne m'est pas étrangère. C'est une guerre qui est la nôtre et je serai aux côtés de mon peuple tant que cette guerre durera jusqu'à ce qu'on puisse avoir la victoire. Sans orgueil, nous ne disons pas que nous allons éradiquer les mauvaises choses qui nous arrivent, mais on va essayer d'apporter quand même quelque chose. Parce que je le dis toujours, comme le dit souvent Youssoufa, pour moi, attendre, c'est agir en attendant. Pendant qu'il y a la guerre, je préfère encore payer des frais scolaires ou encore donner à manger ou essayer de faire rire quelques personnes que de ne rien faire en attendant que la guerre ne finisse. Donc on sait qu'on va venir faire,
ne sera certes pas la finalité de tous les maux de ces gens qui sont en train de souffrir, mais ça sera déjà une petite amélioration dans un sens pour tous les concernés. Voilà. Et s'il y a des cas isolés que je ne maîtrise pas, je ne pourrai pas parler pour ce cas-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'à Kinshasa, tout le monde est bienvenu. Comme à Goma, tout le monde est bienvenu. Je suis ici, je suis chez moi. Je suis bien accueilli, je suis avec mes frères et sœurs. Pourquoi cela doit être différent à Matadi ou au Katanga ou encore à Kinshasa? Je crois que dans toute l'étendue de la République, tous les artistes congolais sont les bienvenus. Et comme on le dit souvent, vrai Congolais est un vrai Congolais. Et partout où je suis dans le Congo, je reste chez moi parce que je suis un Congolais. Donc voilà. Donc, les artistes qui viennent de Goma, qui viennent à Kinshasa, sont très souvent bien accueillis. Personnellement, je les accueille bien. Personnellement, je les mets à l'aise. Ceux que je connais, je ne citerai peut-être pas les noms pour éviter d'en oublier d'autres. Mais je crois que cette information-là, il faut qu'elle soit vérifiée différemment. De mon point de vue, de mon côté, je crois que ce n'est pas vrai. Parce que certes, la xénophobie existe, mais elle n'est pas le fort des Quinois. Les Quinois et les Congolais en général, on est censé s'aimer et je pense que c'est ce qu'on fait l'effort de faire en ce moment. Donc, il n'y a pas de discrimination. C'est peut-être des cas isolés ou c'est peut-être dû à des comportements spécifiques de certaines personnes et ils ont des répercussions précises, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il ne faut pas généraliser les choses. Voilà. Ça va finir un jour. C'est obligé, il faut que ça cesse. Et tenons le coup, soyons juste éveillés et faisons ce qu'il faut pour accompagner la réussite de l'acquisition de cette paix qui nous revient de droit. En fait, toza déjà nakati ya mboka, toza déjà bana ya mboka, tout le monde déjà passé mine. Un jour mambo nyonso aussi là. Étant ici là to seka, bien to kozala à l'aise et on sera heureux. Mais il faut juste garder la foi et les messages d'espoir que j'ai, c'est que cette guerre prendra fin un jour. C'est ça le message le plus fort que j'ai. Je viens pour un concert de paix. Je ne peux pas venir pour la paix et avoir des problèmes avec des frères et des problèmes avec des gens en arrestation. Ce n'était pas la meilleure des choses à faire. Il y a des choses qui se sont passées que je ne maîtrise pas. Je parlerai peut-être avec mon équipe après pour qu'ils m'expliquent en détail. Je viens d'arriver. Mais ce qui était sûr, c'est que j'ai demandé que des solutions rapides soient prises pour que la libération de la personne soit faite. Parce que je ne viens pas pour des règlements de compte ou encore pour essayer de faire du mal à quiconque.